نحمد نصلي على رسوله الكريم ما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يسمع الله تبارك وتعالى الكريمان مزر الكوجه ثم زبادوني بتوفيق دوني كالكز انستان avant le khutbah et le salat du Jumu'ah, pour parler, écouter ces paroles sacrées, les paroles de la bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On vient de réciter devant vous un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque le mois de Ramadan arrive, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala ouvre les portes du paradis, ferme les portes de l'enfer et enchaîne les shayatin, c'est-à-dire le diable. Comme dans une dizaine de jours, non, c'est une question de jours, pour qu'on entame et aborde ce grand mois sacré qui est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois au cours duquel Allah tabaraka wa ta'ala a tout fait pour qu'il y ait un climat, qu'il y ait une ambiance, qu'il y ait un milieu, un environnement favorable pour chaque musulman et pour chaque musulmane. Lorsqu'arrive le mois de Ramadan, qu'on le veuille ou non, eh bien on a envie de pratiquer, on a envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le milieu, parce que l'environnement même est favorable. Allah tabaraka wa ta'ala devait à cette bénédiction que une action nafil nous rapporte la récompense comme si on accomplit une action farad. Et lorsqu'on fait une action farad, ça nous rapporte 70 fois plus. Mais lorsque le mois de Ramadan arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention que Shahru Ramadan, c'est Shahrul Qur'an. Le mois de Ramadan a une particularité, a un lien étroit avec le Qur'an. Qui dit Ramadan dit Qur'an. Parce que Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est au cours de ce mois-là, même le Coran a été descendu, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Et bien comme le Coran a été descendu dans le mois de Ramadan, mais le mois de Ramadan est en quelque sorte l'anniversaire du Coran. D'où l'importance de lire le Coran. Pas seulement de lire les pages du Coran, pas seulement de tourner les pages du Coran. Mais lorsqu'on lit le Coran, essayons de comprendre le sens des mots que nous lisons. Alhamdulillah, aujourd'hui dans la masjid, les responsables ont fait mettre même des Coran traductions en français. C'est justement pour que chacun d'entre nous, lorsqu'on lit le Coran, on ne lit plus le Coran pour être lu. Mais il est grand temps que dans notre vie, on lit le Coran pour être compris. Et chacun d'entre nous, si on maîtrise le français, on peut comprendre le Coran à partir de la traduction. Il est important, parce que aujourd'hui là, la pratique qui est dénuée, qui est dépourvue de sens, devient comme un carcan, devient comme une contrainte. Si on ne va pas donner du sens à ce qu'on fait, eh bien ça va devenir très lourd. Ça va devenir un fardeau à un moment donné. Voilà pourquoi il est important d'aller au-delà de la pratique. Si nous pratiquons, mais il faut qu'en retour, on a quelque chose. Il faut qu'on a quelque chose en retour. On ne fait pas quoi faire. Tout le monde ne travaille pas pour dire que voilà, je travaille. Mais non, il y a un gain, il y a quelque chose qu'on gagne lorsqu'on fait.
Eh bien, il est grand temps que on donne un peu du sens. Du sens. Parce que sinon, là, ce sera un fardeau. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Coran lui-même qui l'a dit. Wa innaha lakabiratun. Si dans la salah, nous allons faire la salah, mais considérons cela comme un devoir, c'est tout, on vient de la masjid. Ça fait 40 ans qu'on fait la salah, mais il n'y a aucune amélioration. Parce que on ne cherche pas le sens de la salah. Ça fait 40 ans qu'on fait la salah, mais ça fait 40 ans qu'on ne comprend pas encore qu'est-ce qu'on dit dans ce qu'on dit. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. 40 ans! Et les trois premiers versets du Coran, je ne connais pas ce qu'Allah Ta'ala veut me dire hein, à travers de ces trois versets-là. Il faut arrêter à un moment donné. On est des humains. Allah Ta'ala a donné une intelligence. Allah Ta'ala a donné un cerveau. C'est pour comprendre. C'est pour s'en servir. C'est pour utiliser. C'est pour employer. Jusqu'à quand on va répéter les mots, les mots, les mots, les mots? Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole qui est lourde. C'est pas le Coran quand lorsque vous allez tenir dans la main, elle est lourde. C'est parce qu'il est volumineux. C'est pas parce qu'il contient un tant de pages. Mais parce que le sens est lourd. Il est riche. Voilà sa vraie lourdeur. Voilà sa vraie pesanteur. Donc voilà pourquoi le mois de Ramadan, c'est un mois, le Shahrul Qur'an. C'est le mois du Qur'an. Il faut que notre relation avec le Qur'an soit vraiment une relation qui nous permet de comprendre le but de notre vie, de prendre conscience pourquoi nous avons été créés sur terre. Et ça, ce n'est pas seulement en lisant sans comprendre. Ce ne sera pas possible. Durant le mois de Ramadan, il y a la salat de Tarawih. Il y a un travail à faire avant la salat de Tarawih. Avant la salat de Tarawih, si on va faire la salat de Tarawih, bon, on va écouter pour dire qu'on a écouté, on a fait un khatam Coran derrière. Bon, ça va se terminer. Mais il n'y aura pas de sens. Pour qu'il y ait de la concentration, il y ait de la dévotion, de la ferveur dans la salat de Tarawih, mais avant le Tarawih, il y a un travail à faire. C'est qu'on prend le Coran, on ouvre, on connaît qu'est-ce que l'imam va lire, plus ou moins. Mais on regarde un peu la traduction. Ah, ce soir, à premier sifara, par exemple, premier juice, ben on nous parle de l'histoire de Adam et Shaitan. Ah, d'accord. Après, immédiatement après, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de certains épisodes de la vie de Moussa alayhi salatu wa salam. Lorsqu'on va se tenir dans la namaz de Tarawih, ben, on aura au moins une idée de ce qu'on est en train de dire. On aura le temps de réfléchir. Il ne peut y avoir de concentration que s'il y a de compréhension. Et quand on a les moyens, on a la possibilité de comprendre. Mais pourquoi ne pas essayer de comprendre? Si on de feuilleter, il y a en français le Coran. Français simple, accessible. Donc, essayons de regarder qu'est-ce qu'on va lire ce soir. Sur quoi? Au moins, lorsque l'imam est en train de lire, il va dire Moussa, Adam. Ah, ça va nous revenir. On va imaginer, on va faire une mise en scène de notre esprit. Ah, on est en train de parler de cette histoire-là. Regarde comment Shaitan il a agi. Et comment Adam a.s.w. il a agi. Regardez comment Moussa a.s.w. il a fait avec son peuple. Et quelle a été la réponse de son peuple, etc. Eh bien là, c'est à ce moment-là, le namaz Tarawih va venir quelque chose qui va nous enrichir. Qui va nous enrichir. Donc c'est pour cette raison, donc, il faut que notre relation avec le Coran pendant le mois de Ramadan là, ne reste pas sur les mots, du superficiel, qu'on aille au sens. Ça c'est une chose. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce mois de Ramadan là, c'est un mois shahr al-sabr. C'est un mois où on doit maîtriser son ego. Lorsqu'arrive le mois de Ramadan, parfois on voit qu'il y a des personnes même qui vous disent que, écoute, là on est dans le mois de Ramadan, j'ai jeûné là, j'ai fait rosa, le sang est juste après la peau. Et j'ai le sang qui est chaud. Donc attention lorsque tu me parles. Je jeûne,
Mais mon frère, quand tu jeûnes, tu dois te calmer. Quand tu fais rosa, tu as compris le sens, la signification de rosa. Rosa, c'est la maîtrise. Tu te maîtrises lorsque tu as rosa. Lorsque tu as faim, etc., mais ton sang là, il s'éloigne de ta peau. Il ne se rapproche pas de ta peau. Parfois, sous couvert de rosa, on veut faire comprendre, il ne faut pas m'ennuyer. Mais non, tu peux m'ennuyer comme tu veux. Tu peux me provoquer comme tu veux. Je suis rosa, je suis cool, je suis zen, je suis calme. J'arrive à me maîtriser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que le rosa, c'est pour s'éclater. Non, sobre. Tu es en état de rosa, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut arriver à maîtriser ses émotions. Il faut arriver à maîtriser son ego. C'est ça le sens du jeûne. Sinon, tu détruis. Tu es superficiel, tu es seulement à la surface là. Donc, Shahru Sabr. Et troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mois de Ramadan, c'est Shahru Mouassar. C'est le mois de la générosité. Le don. C'est le mois du don. Là où on est prêt à donner. Mais seulement la générosité en islam n'est pas seulement de donner ce qu'on a dans notre poche. C'est-à-dire de donner de notre avoir. C'est aussi un don. On est généreux lorsqu'on donne ceux qui sont dans la nécessité, ceux qui sont dans le besoin. On donne de l'argent, proprement dit. Notre avoir, ça c'est un don. Mais vous savez, lorsqu'on fait le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il y a une autre catégorie de dons que parfois on a oublié et qui est meilleure que de donner de notre avoir. C'est de donner de notre être. C'est-à-dire pendant le mois de Ramadan, c'est justement le moment de donner un sourire à son frère. Ça, c'est pas en tôle, ça. Ça, c'est pas en fer, c'est pas en aluminium, c'est pas en billet, ça. Mais ça vaut beaucoup plus. Dans le mois de Ramadan, tu accueilles ton frère avec un visage avenant, accueillant, pas coléreux, pas renfrogné, pas le sourcil foncé. Si on accueille comme ça, ben personne n'aimerait parler avec nous. Mais ça, le don de notre bonté. Ça aussi, c'est un don. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, à un moment donné de sa vie, lorsqu'il est arrivé à Madinatul Munawwara, il n'avait rien dans les poches. Rien dans les poches. Lui-même, il n'avait pas de quoi manger. Passer parfois 2 mois consécutifs, il n'y a rien dans la marmite, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, les sahaba disaient, il n'y avait pas un homme plus généreux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'arrivait le mois de Ramadan, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devenait aussi généreux que le vent. Lorsque le vent souffle, tout le monde est touché par l'effet du vent. Telle était la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il n'avait rien dans les poches. Il n'avait rien pour se nourrir et nourrir sa famille. Mais qu'est-ce qu'il donnait donc? Pourquoi on le qualifiait de généreux? Parce qu'il donnait plus son être que son avoir. Dans le mois de Ramadan, tout le monde le voyait souriant. Tout le monde le voyait accueillant. Tout le monde le voyait endurant, supportant, etc. Tout ça. Il était prêt à l'écouter, il était prêt à parler, il était prêt à accueillir l'autre. Il donnait de son être. Voilà pourquoi il était généreux durant le mois de Ramadan. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens que Shahru Ramadan, c'est Shahru al-Muwasat. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité où on donne bien sûr ceux qui sont dans le besoin, mais on donne plus de notre être, de notre bonté, de notre miséricorde, de notre pitié, de notre compassion, de notre générosité. Ça, c'est qualité qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis en nous là, mais il faut la manifestation de ces qualités-là pendant le mois de Ramadan. Là, tu seras comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, généreux comme le vent durant le mois de Ramadan. Donc c'est Shahr al-Qur'an, c'est un mois du Qur'an, notre relation doit s'améliorer avec le Qur'an. Deuxièmement, c'est Shahr al-Sabr, c'est le mois au cours duquel on arrive à maîtriser, à contrôler nos égos. Et troisièmement, c'est Shahr al-Muwasa, c'est-à-dire c'est le mois de la générosité, une générosité donc de son avoir et de son être.
Hein, dans le Coran, Allah Ta'ala dit encore « Qawlum ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqati yatba'uha adha » Lorsqu'une personne est dans le besoin, il arrive devant toi et il te dit « Voilà, je suis dans le besoin, mais toi tu n'as pas de quoi lui donner. Tu ne peux pas lui donner. Tu ne peux pas lui donner, tu n'as rien. » Mais le prophète, dans le Coran, Allah Ta'ala dit un sens « Dis à cette personne-là que voilà, je ne peux vraiment pas t'aider, tu mérites d'être aidé, mais je n'ai rien. » Excuse-moi, hein, je te présente mes excuses, vraiment je n'ai pas les moyens de t'aider. La manière dont tu parles. Et wa maghfiratun, tu lui pardonnes, si lui il insiste, dis non mais je suis dans le besoin, j'ai grandement besoin de quoi, je ne peux pas, j'ai faim. Devant son insistance, toi tu te montres toujours poli. Tu lui parles calmement. Cette manière d'agir sans donner, le Coran dit, khayr, c'est meilleur que si tu donnes sans la manière. Tu donnes toi donc, tu as donné de l'argent, mais tu n'as pas donné avec manière. Hein, prends pas. Prends ça. Mais dans le Coran, Allah Ta'ala dit un sens, ne pas donner avec la manière, avec bonne manière, est meilleur que de donner sans la bonne manière. Donc parfois, on a de quoi à donner de nous aux autres, pas seulement de notre poche. Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre cette catégorie de générosité. C'est par cette générosité, non pas de son avoir, mais de son être, que Aïcha radiallahu ta'ala dit le sens que Futihatul Madina bil akhlaqin nabawi. Que si Madina qu'il munawwara a été conquis, le cœur des sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu gagner le cœur de ces médinois-là, c'est pas par son avoir, il n'est pas riche, il n'y a pas d'argent. C'est par quoi il a gagné le cœur de ces sahabas-là, de ces arabes-là, mais par son akhlaq, par son mode de vie, par son bon comportement, par la noblesse de son caractère. Donc durant ce mois de Ramadan, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse donc générer dans ce sens, inshallah. Inshallah, bye. Inshallah.